Test. Et à qui c'est ses pieds alors? Ces grandes pieds là. Ces grandes jambes. C'est pas français ces grandes pieds. C'est Kate. Salut la team. Voilà, le seul fou qui va nous faire encore découvrir un spot. Le rocher de Roquebrune. Voilà. Roquebrune, on verra en rouge. On voit pas là, c'est à travers les arbres. Donc on est parti pour 15, 16, ouais. 17. Si tout va bien. 18. Si tout va bien. 18 bornes. Non, ça va, ça fait une petite sortie, c'est bien. Ouais, avec 600-700 de plus. Si on se perd pas. Ouais, c'est ça. Allez. Dans 2 heures, appelez les secours. Allez. C'est parti. L'office de tourisme, on y va. Déjà 20 mètres, un peu plus, mais bon. Regardez ça, c'est pas beau. Je sais pas où on est dans la forêt chantée là. Alors, là non? Avec le petit chemin, ouais. Ça a l'air d'être un chemin moyenâgeux là. Ouais, par là je pense. Ah là on regarde, la chapelle. Déjà la chapelle? Ouais. C'est le début. Après, on va partir dans les vallées. Allez. Cette vieille chapelle. Jolie petite chapelle. Bartok. C'est ce qu'ils appellent la chapelle troglodyte. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y avait trop de glodytes. Je pense qu'avant il devait y avoir des rochers partout et ça devait être formidable. D'accord. Ah si t'es barré au bord. Bah ça va rejoindre. Je... Allez. Donc, le trail c'est aussi aller là où il n'y a pas de route. En fait il veut dire c'est surtout se tromper. Ah oui parce que ça arrivera là où. Ah ouais, tu veux passer par là-haut. Bon, Quentin est en train de dire qu'il faut passer ici. Mais moi je passe pas moi. Putain, avec la chance que j'ai, le caillou il va tomber sur moi. Alors c'est quoi l'histoire du Saint-Roux? Ah t'as même pas regardé Wikipédia ouais. C'est quoi ce guide? Ok, le Saint-Roux. Je pense qu'il doit y avoir un tunnel dessous. Petit caillou. Waouh. Allez, que trépasse si je faiblis. Que froid. Ah, vous voyez peut-être pas. Ça le flash. Ouh. Allez, 240 dénivelés là. Ça commence à grimper un peu. Donc, un peu chaud. Alors, faut suivre les marques orange. Ce mec est complètement taré. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Ouais. Ça fait juste une trentaine de fois ça quoi. Voilà, les petites marques orange à suivre. Alors, bon bah. T'as fait quoi hier soir? Comment te dire? Je sais pas. Je t'avais dit que. C'est pour aller sur le sommet. Ça y ressemblait, en face. Effectivement. Cause he knew that I call you up. You've been going
Hop. Regardez cette ambiance. Par où? À ce point-là. Quoi? Et alors? Tu sais quoi, mon ami, qu'on monte surtout là après? Ah, d'accord. T'aimes pas? Voyez-vous, on cherchait les croix. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un socle à croix. Mais pas de croix. Donc, vous le croirez ou non, les croix ont disparu. Voilà. Donc en gros, bon, on doit pas être au point, mais je pense qu'il faut monter sur ce caillou. Il va falloir redescendre pour remonter sur celui-là. Parce qu'il n'y a pas de passage. Ah, et nous, on s'est garé. Où c'est qu'on s'est garé? Là-bas. Là. Là. Où? Derrière le rocher, en fait. Ah ouais. La chapelle et le. S'il vous plaît. Allez, continue la descente. Impressionnant comme ça ressemble au couloir d'eau. Non, on a plus trop dit. C'est tout petit. Je dirais des trolls chics. Ça y est, on peut enfin courir. Je vois les marques bleues. Regardez. On est sur la crête, sur les trois croix, et on pense qu'ici il y a eu des fouilles archéologiques. Donc, pour ceux qui voient ça, respectez les lieux, c'est ce qu'on va faire. Allez, on continue. Voilà, on est à peu près à 4 km et 500 et quelques des plus. On voit les trois croix qui sont ici. Par contre, on n'a pas de chemin pour y accéder. Putain, c'est ça. Ah, les amis, la partie alpine avec l'échelle, de longtemps. Comme au sentier de Marseille. Voilà, on va descendre là et on va remonter sur le caillou. Je n'ai pas jamais le game, chante le game. Je suis en train de Pourquoi avec Quentin? C'est jamais comme avec tout le monde. Donc pour tous ceux qui vont suivre la trace Strava, qui vont voir une allure à 12 ou à 14. Vous comprenez pourquoi maintenant? Entre on cherche notre chemin et on s'accroche à la paroi, voilà pourquoi on court pas. Là, là. Ah ouais, c'est une descente de là. La chaîne elle est par là. En deux cas. Un jour elle va voir. Dénivelé en 24 000.
arrive au froid. Ah, c'est vrai. Alors, regarde, il y a un petit panneau. Je sais pas si vous voyez. Allez, on va se rapprocher. Alors, voilà les indications. En haut de la croix, en bas. Donc là, retour parking, retour brune, retour parking, autoroute. Une heure. Éclaté que le joueur. Allez, deuxième partie, bien faire ça. La chaîne. Et le cap. Donc ça a été. Moi je pense qu'il faut aussi dire aux gens, c'est important. Oui. Pour Marcel Estruche, on avait fait Cliffhanger 1. Voilà, c'est Cliffhanger 2. Stallone a un peu vieilli. Ouais, on arrive presque au sommet. Une petite chaîne. Allez, c'est un piste. Voilà pourquoi on est venu. Les trois croix. Pourquoi 3 d'ailleurs ? Je sais pas. Comme les trois frères, pourquoi 3 ? Le roi mage. Ok, ça fait juste ça après. Ça va te faire une photo, mon pauvre. Le brin qui arrive sur nous. Et bonjour. J'ai un bunker. Hein? La falaise là. Ah c'est, ouais, c'est vrai. Ah ouais, on peut la prendre à deux. Ouais. Je recule pas. Salut. Voilà. On sent vraiment au Colorado. Je suis le GR. Voilà, sortie terminée. Alors, 11 km 30, pas énorme. C'est un peu trompé dans le chemin. Si vous voulez voir la trace, c'est sur Strava, donc sur ma chaîne, Strike, ou Quentin. On a. C'est perdu, mais en fait on a fait beaucoup de pauses, d'où le gros timing, et on a pris un peu de plaisir sur les crêtes à voir ce qui se passait, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker avec un petit pouce en bas, et à dès la prochaine. Allez, ciao.